étudier, ce n'est également une personne ressource externe pour avoir des données fiables compte tenu des activités, mais également des effets. Nous sommes ravis de constater qu'à mi-parcours, que pratiquement toutes les activités planifiées ont été déroulées, mais également nous avons réalisé des effets positifs en termes d'amélioration du leadership des filles, de l'accompagnement des garçons, mais également l'implication du projet et son acceptabilité dans les communautés bénéficiaires. Donc actuellement, nous avons le plaisir d'avoir des jeunes filles qui peuvent communiquer librement, qui peuvent s'intégrer au niveau des garçons et avec les structures éducatives qui sont dans les établissements scolaires, la sensibilisation et la communication est en train de prendre forme. Et tout cela, nous l'avons réussi avec l'accompagnement des professeurs encadreurs qui sont parfois les professeurs d'éducation publique, mais également les autres professeurs qui n'ont ménagé aucun effort pour nous appuyer dans l'encadrement de ces jeunes bénéficiaires du projet, mais aussi les chefs d'établissement qui ont facilité la mise en œuvre de ces activités au niveau de leurs établissements. Vous revenez un peu sur la cible de ce projet et tout au long de votre programme. Ce projet vise spécifiquement des jeunes filles, mais en termes de cible directe, nous avions 340 jeunes filles et également 120 garçons ici des établissements scolaires. Donc, c'est une jeune qui porte le projet et nous avons eu à réaliser beaucoup d'activités, allant des renforcements de capacités, mais également des appuis directs au niveau comme les conditions scolaires, l'équipe d'hygiène pour les accompagner, pour l'amélioration de nos conditions de vie, mais également en termes de compétences et de connaissances. Donc, pour ce, il y a beaucoup d'activités qui sont déroulées avec les partenaires techniques du projet, allant du sport, les champions du changement, les plaidoyers, les sensibilisations, les causeries, tout ça pour se faire entendre, pour valoriser l'estime de choix des filles, mais également leur autonomisation. Et actuellement, c'est des filles qui se distinguent, c'est des garçons qui se distinguent par leur appartenance dans le projet, mais également par leur participation à la vie active au niveau de leur établissement scolaire. Dans ce projet n'est pas tellement important, mais une fois l'ouverture des classes effectives, vous avez accéléré la cadence afin d'atteindre complètement vos objectifs. Oui, et comme je disais tantôt, après l'année prochaine, peut-être nous n'aurons pas une deuxième année. Donc il y a eu des retards sur certaines activités liées surtout à l'organisation des tournois de football, mais également des sessions de grâce qu'on devait totalement étudier et malheureusement qui n'a pas été fait. Donc l'année prochaine, nous sommes déjà partis avec une planification solide, rigoureuse, qui va nous permettre, avec l'appui de tous les partenaires, bien sûr, de réaliser ces activités et de continuer également la formation et le suivi auprès de ces jeunes bénéficiaires qui ont encore besoin d'accompagnement pour promouvoir leur leadership et de faire valoir leurs droits au niveau des établissements, mais également au niveau des communautés. Et pour cela, il y a des enfants non scolarisés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pères éducateurs, qui sont enrôlés dans ce projet. Donc chaque champion du changement a enrôlé un père éducateur et a la responsabilité de veiller à ce que ce père soit informé sur les thématiques de violence basée sur le genre, l'égalité de genre, mais aussi sur le leadership des filles. Donc l'année prochaine déjà, c'est la planification. On va miser surtout sur une bonne planification avec les acteurs pour permettre un bon déroulement de l'ensemble des activités et escompter ainsi atteindre tous les résultats et les objectifs définis par le bailleur. Et sur prête à Dieu, nous aurons, parce que par ce travail que nous avons réalisé, il y a beaucoup d'autres bailleurs qui sont intéressés par ce que nous faisons. Et là, peut-être, nous aurons à enrôler d'autres disciplines comme l'athlétisme au niveau des établissements. Donc nous avons eu un projet pour nous intervenir dans l'établissement moyen secondaire. Et depuis novembre, on a fait une barrique déroulée à l'envers les formations, les renforcements de capacités, les dotations de matériel en conduite scolaire qui viennent pour ces filles bénéficiaires du projet. Donc tout ce paquet est fait maintenant pour vraiment dire que les filles
cadre de vie, mais également jappelé ci walu compétence, ci walu xam xam, pour que ñu mëna am carte pour lutter, pour xéer lepp luy jafé jafé bo xamné rek mën na no sen mag, mën na doon sen li nga xamné moy leadership. Donc tay bi ñuy def évaluation, ñu gis né activité yi prévoir mo ko def. Danaka bu ñu xolé lu ëpp ci 90% témer bo jël lu toll fukk rek mom lañ defo, té loolu amna explication bu ñu joxé. Mais li gëna rafet ci mbir mi moy liñ def dafa commencé am ay jéego li nga xamné moom moy cible projet bi di xalé jigéen yi. Donc tay dañuy am fierté gis ci établissement ay xalé jigéen yi nga xamné taxaw nañ pour mëna waxtaan ak seen yeneen borom jigéen yi, mais également di mëna expliquer wu, di mëna défendre seen droit, mais aussi di mëna xeex lépp luy violence boo xam ne rek mën na leen loot seen wàllu nekkaay. Donc xale yooyu tey dem nañ ba au milieu communautaire sax aaroon nañ ay xale yu nga xam ne amuñu chance tey def ci école yi, mais ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi leen di accompagner ci li nga xam ne moom mooy thématique bi nga xam ne projet bi moom lay xeex. Te loolu yëpp nag buñ ko yeggee fii tey, donc dañu rafetlu ànd ak ki nga xam ne moom mooy professeur engagé bi, parce que projet bi bu jugee ci établissement yi professeur éducation physique ak ñeneen professeur dañu jóg gunge équipe de football yi, mais également gunge champion du changement yi ci liggéey bi ñu doon def. Te tout cela tamit dañ koo def ak accord chef d' établissement yi, ñoom ñoo ñu faciliter mise en œuvre activités yi ak coordination yi avec ñi nga xam ne moom mooy structure teel di inspection d' académie. Yes, waaw waaw déwén incha allah sax xaaruñ déwén jot, mais biñ defee mi ak évaluation mi parcours bi rek dañu xoolaat ki nga xam ne moom mooy planification, surtout pour def une planification rigoureuse bu solide bu nga xam ne année prochaine dafay permettre rek ñu fexe activité yi war a defee yëpp def ko, mais également ñu am résultat yi nga xam ne moom mooy résultat escompté. Parce que li ñuy def ne nii bu ñu ko partagé am na yeneen bañ a ñu ngi intéressé bañ ne sax est ce que bu fekkee yëpp amp na ñu jël discipline athlétique ñu intégré ko ci projet bi, parce que gis nañ résultat yi positif, gis nañ également xale yi bëgg nañ ko, te yokkute yi ñu am ci yoon ñëpp saliyee nañ ko. Donc ñu ngi ci perspective année prochaine jël activité yi def une bonne planification, doxal activité yi, mais aussi bu fekkee yàlla nangul nañu ko intégré li nga xam ne mooy discipline athlétisme bi avec d' autres élèves, avec les professeurs encadreurs, mais aussi avec yeneen jeexital ci en termes de matériel, en termes de formation toujours pour les jeunes.